Le guide Gabin, oui. Pourquoi tu nous as demandé de garer précipitamment en plein milieu de la forêt? Oui, mais parce qu'il y a quelque chose de merveilleux. Nous sommes au niveau de... On a dépassé Ebelabanga et autres. Nous sommes en train d'aller vers Njolé. Et j'ai croisé ce monsieur. Voici pourquoi je t'ai demandé de t'arrêter un instant pour qu'on puisse savoir qui est le monsieur. Parce que c'est quand même un peu étrange de voir une personne avec un vélo qui a des sacs. Ce vélo n'est pas, on dirait que c'est pas un vélo ordinaire. Par contre, il y a des sacs. Il a même un cerceau de une jambe de rechange. Waouh, il est vraiment équipé. Ça, alors, on sent qu'il vient de loin là. On peut savoir c'est quoi votre nom? Cécile. Comment? Cécile. Yassine. Oui. Ok, ben Yassine, comment est-ce que vous vous retrouvez Yassine. En pleine forêt gabonaise comme ça? Vous sentez-vous? Après 3 jours, j'ai sorti de Libreville. D'accord. Et après un aéroport là-bas. Ok. Oui. Ben, votre trajet, c'est lequel? Comment vous êtes retrouvé à Libreville? Comment vous vous retrouvez en train de partir vraisemblablement en direction du nord du Gabon? Vous sortez d'où? Avant d'arriver à Libreville? Oui, je viens du Maroc. Vous quittez du Maroc? Oui. Donc vous quittez du Maroc avec ce vélo? Waouh. Et vous êtes passé par où? Oui, j'ai quitté le Maroc mars. D'accord. Le 8 mars. Le 8 mars. Oui, 2018. D'accord. Et j'ai passé par la Mauritanie, la Sénégal, la Gambie, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo. En vélo? Oui, Niger, Nigeria. Mais parfois tu montes dans les voitures? Non, jamais. Tu pédales toujours? Oui. Ouais, tu es fort. Niger, Nigeria, Cameroun, Gabon. Et après Gabon, tu vas où? Après le Gabon, je vais au Congo, Brazzaville. Au Congo? Oui, Congo. Bon, donc on va te donner notre numéro de téléphone. Nous, on t'attend à Franceville. Ok. Tu pars à Franceville, non? Oui, je vais. Dès que tu arrives à Franceville, tu nous téléphones. Okay. On t'attend là-bas. Oui. Ok. Tu sais où j'ai su que ce monsieur était fort? C'est parce que tu vois la pente là. Il pédale sur cette pente. Ça fait une montagne qu'on vient mais de oui. monter là. C'est-à-dire qu'il ne descend pas, il pédale, il continue à pédaler comme si de rien n'était. Oui, vraiment. Donc aujourd'hui tu vas dormir où? Je pense à Njolé. À Njolé, hein. Ok. Waouh. Ok, ben bah, du courage. Merci. Donc tu as déjà ton tronçon entre ici et Franceville. Oui. Tu connais déjà par où tu vas passer? Oui, je passe à Limbé. Voilà, tu connais. Au pont d'Alembe. Wow. Mais tu vas voir les éléphants, hein? Oui, il y a des animaux. Yeah. Et tu as vu des animaux depuis que tu es parti? Oui. Bravo. Tu as un numéro de téléphone ici au Gabon? Oui. Parfait. Le numéro ici et ben puis, voilà, ça c'est une aventure merveilleuse. Voilà, le peuple marocain est un peuple frère, hein? Tu sais que les Marocains, les Gabonais, on est des frères. Oui, c'est ça. Voilà. Votre roi est chez lui ici et nous, notre président est chez lui là-bas. Surtout que vous gardez bien notre président en ce moment. Oui. Et nous-mêmes, on part là-bas sans visa. Donc, c'est notre pays, le Maroc. Oui, c'est ça. Ok, bravo. Bonne chance. À bientôt. On va quand même se faire des selfies avec lui. Ouais.